Ce week-end, il y a un atelier aussi. Ça y est, André, bonjour. Bonjour. Alors, vos mémoires, les mémoires funéraires... Ça a commencé c'est par votre passion. Presque les mémoires d'outre-tombe. Ouais. C'était presque ça, mon premier livre. J'ai commencé à travailler dans les cimetières il y a à peu près 40 ans. J'ai voulu régler des comptes avec la société à la suite d'un certain nombre de décès dans ma famille et surtout le suicide d'un grand-père, invalide de guerre, qui avait été poilu de 14-18 et qui, à la suite de la mort de son épouse et infirmière à la fois, s'est suicidé dans un lieu que je connaissais bien puisqu'il m'avait élevé ce jour-là. Donc, je suis allé d'abord dans les cimetières militaires. J'ai fabriqué des espèces d'installations de faux cimetières où je montrais la mort de A à Z et où je barrais vigoureusement de rouge toutes les plaques « Mort pour la patrie » ou « Tombe au champ d'honneur ». Et puis dans le même temps... C'est pas terrible ça. C'est du terrorisme. Oui, tout à fait. Et vous revendiquez. Absolument, ça, j'assume complètement. Il y a prescription. Oui, mais j'assume complètement. Même si ma bile est un peu retombée, parce que j'étais plus jeune, évidemment, à l'époque. Mais je me suis surtout rendu compte d'une chose épouvantable, c'était une révélation. Je suis un être mortel. Et ça m'a vraiment curieux, fait un choc, ça m'a complètement traumatisé. Vous êtes un ovni, alors. Et je suis, j'ai commencé à, exorciser cette peur de la mort. Ouais. Donc j'ai fréquenté les cimetières. J'ai découvert cet univers de la cité des morts, qui est très ambigu parce qu'il prétend finalement singer un petit peu la cité des vivants. C'est pour ça que je joue beaucoup là-dessus dans mes photos, sur cette ambiguïté. C'est-à-dire que mes personnages de pierre peuvent être pris éventuellement pour des personnages de chair et d'eau. Et puis, à partir de tout ce matériau que j'accumule depuis des années, ouais, ces archives, j'ai plus de 175 000 photos. Combien ? 175 000 photos. Donc maintenant, je fais des bouquins, je fais des articles dans la presse plus ou moins spécialisée, je fais des expositions d'objets ayant trait à la mort, où je pratique plutôt l'humour noir. Et puis, j'ai le dernier ouvrage, c'est un dictionnaire illustré de symbolique funéraire. Je décrypte, c'est un peu comme un guide qui vous expliquerait ce que signifient toutes ces images, ces sculptures, ces statues, etc., qui parfois sont un peu obscures. Est-ce qu'on peut vivre de cette activité ? Moi, je vis ça absolument comme une passion. Par ouais. conséquent, vous n'êtes si pas je sponsorisé pas, par les pompes funèbres. Pas grave, pas du tout, pas du tout, et j'en ai aucune chance de l'être. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les pompes funèbres ne sponsorisent pas ce genre de choses. Ouais. Je ne suis qu'un alibi culturel, je suis un petit peu un amuseur dans le milieu, et je montre un peu l'aspect artistique de la chose, et pas du tout le côté commercial. Cela dit, aux dernières nouvelles, j'ai commencé moi-même à... non pas dévié parce que je continue ma route dans les cimetières, mais à fabriquer des monuments funéraires. Quand je dis fabriquer, je devrais dire plutôt concevoir des monuments qui ensuite sont exécutés par des granitiers. Et j'ai pour l'instant, par exemple, trois monuments au Père Lachaise qui recouvrent des caveaux qui sont remplis par des corps, des urnes funéraires. Et puis j'ai plusieurs projets à Montmartre, par exemple. Et pourquoi vous êtes comme ça, vous avez fait cette mutation ? Parce que vous vous sentiez trop passif dans un cimetière ? Parce que je... Vous avez laissé votre empreinte ? Oui, absolument. Alors, vous avez dit le mot qu'il fallait, enfin l'expression qu'il fallait, je veux laisser mon empreinte. C'est-à-dire que, après cette révélation donc tragique de la mort inévitable,
j'ai essayé de trouver une solution, quelque chose. Il fallait ruser avec la mort, parce que de toute façon, on n'y échappe pas, même si j'ai cru un moment. Donc, vous êtes croyant ? Pas du tout. Je suis totalement... Vous ne croyez en rien ? Résolument athée. Ma formule est très claire, très simple. La religion est la plus grande mystification de l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi voulez-vous laisser quelque chose puisque je laisse quelque chose pour les hommes. Oui, mais en théorie, la planète va disparaître aussi. Dans si longtemps. Oui. Disons que c'est de l'éternité à court terme chez moi. Oui. Mais disons qu'une concession à perpétuité, déjà, c'est 99 ans. Et qu'avec un petit peu d'espoir, on peut espérer prolonger un monument pendant deux siècles, peut-être, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez vu de plus singulier jusqu'à ce jour dans les cimetières ? De plus mémorable ? De plus mémorable ? Écoutez, pour moi, sans parler d'un monument précis, je dirais que les cimetières italiens sont les plus beaux cimetières du monde. Nous avons en France le Père Lachaise, qui est tout à fait étonnant, mais qui est plus peut-être encore intéressant par la qualité de ses habitants que par les sculptures elles-mêmes. Mais l'Italie, et notamment l'Italie de la fin du 19e siècle, c'est l'âge d'or du cimetière. Quel cimetière, par exemple, vous avez un cimetière? Alors, le plus beau, oui. Moi, je dis toujours, si vous devez visiter un magnifique cimetière, qui sera un résumé un peu de tous les autres, il faut aller à Gênes. À Gênes, c'est pas très loin de la frontière française, à Staglieno. Vous avez une espèce de résumé de tout ce qui peut se faire de plus beau en matière funéraire, avec une véritable cité des morts, où il y a comme une espèce de vie un peu au ralenti ou arrêtée, mais dont on a l'impression qu'on peut, à tout moment, si on appuie sur un bouton, remettre en marche tout ce petit monde, un peu comme on peut le faire au cinéma. Vous avez des arrêts sur l'image, puis tout d'un coup, ça redémarre. Et là, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de montrer ces instants pendant lesquels on croit qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui bougent, il y a une femme qui frappe à la porte d'une chapelle, il y a un monsieur qui embrasse une dame avant son dernier départ. Ça rappelle presque le clip de Michael Jackson, ça. Mais j'avoue que je ne connais pas très bien ces gens-là. Moi, ma culture musicale, c'est plutôt la musique classique. Vous ne perdez rien. Qu'est-ce que vous avez vu de plus incongru, de plus insolite à ce jour ? De plus incongru. Bah écoutez, il y a une chose qui me semble toujours tout à fait étonnante. C'est pas le fait de la sculpture funéraire, c'est qui va parfois très loin en montrant des cadavres, des transis, même des bonshommes bouffés par les mouches, etc., etc. Mais ce qui m'a paru tout à fait étonnant, c'est plutôt l'attitude de certains vivants. Je pense notamment à une chose très émouvante. Ce sont les parents qui ont perdu un enfant en bas âge et qui déposent sur la tombe la peluche de l'enfant, l'ours en peluche ou un jouet, une petite voiture, etc. Ça, c'est tout à fait étonnant et tout à fait poignant. Je voudrais simplement signaler aussi un monument qui m'a paru extraordinaire. Il y a, je crois que c'est en Angleterre, si ma mémoire est bonne, il y a un monsieur qui a donné comme sépulture à son enfant décédé, un banc. Sur ce banc, il a fait graver des petits ours en peluche. Et il y a un petit texte qui s'adresse à l'enfant disparu et qui lui dit, tu vois, comme ça, avec ce banc, je pourrais souvent venir m'asseoir auprès de toi et continuer à te raconter des histoires. Il n'y a pas de réflexion à faire là-dessus. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous auriez comme photo, d'après vous, la plus originale qui est exposée aujourd'hui ? C'est du classique là qu'on voit, non ? C'est fin 19e siècle et première moitié du 20e. Bon, éventuellement, il y a plein de choses extraordinaires. Hein. Moi, une que j'aime beaucoup, je vous emmène. Puisque l'exposition s'intitule Concert de silence, nous sommes donc dans le domaine de la musique, et là il y a une espèce de résumé. C'est à la fois la mort et la musique.
C'est la danse macabre. On a l'impression qu'on va entendre justement la musique de Saint-Saëns. Est-ce que vous êtes quelqu'un de taciturne? Je ne crois pas. Non, je crois que je suis assez sociable, assez ouvert. Par contre, j'aime pas les grosses rigolades forcées. Ça, j'ai du mal. Et je préfère les plaisirs subtilité. Plus ou moins. Oui, et les plaisirs improvisés entre amis, mais pas la gaudriole un peu sauvage. Je suis pas confetti et serpentin, moi, pas du tout. Vous avez fait des rencontres intéressantes dans les cimetières? Vous avez créé des amitiés? Oui, j'ai rencontré effectivement des gens qui étaient passionnés comme je le suis. Et qui sont, pour certains, effectivement devenus mes amis. Mais très souvent, ces gens-là étaient déjà plus ou moins introduits dans ce milieu du funéraire. J'ai par exemple en Belgique un très bon ami qui travaille à la Maison de la Culture de Tournai et qui est devenu depuis peu conservateur du cimetière du Sud à Tournai. Et avec lui, évidemment, on est de connivence, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis une autre rencontre, ça a été un monsieur qui s'appelle Raphaël Confino, qui malheureusement vient d'arrêter son activité. Enfin, il a transféré, il a transmis son entreprise à un autre, mais ça reste le patron de l'autre rive. Il s'appelle toujours d'ailleurs monsieur Raphaël Confino. Et avec lui, qui venait de la mise en scène, je l'ai rencontré dans un... Non, vous l'aviez presque enterré là, vous voyez. Non, pas du tout. C'est une espèce de type pour caractériser, c'est un peu corto maltese comme ça. Bon. Et alors, je l'ai rencontré dans un salon du funéraire, et nous étions vraiment faits pour nous rencontrer parce que nous avons des idées assez semblables sur le devenir du funéraire, sur la nécessité de repenser les rites, sur la nécessité de faire des cérémonies différentes, sur la nécessité de faire des monuments aussi différents, ce que j'essaie de faire, par exemple au Père Lachaise, et que j'ai réalisé avec sa collaboration. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier salon de la mort à Paris? Vous vous sentez bien à votre place dans ce salon? Ah oui, tout à fait, absolument. Moi, vous savez, je baigne quand même dans ce milieu du funéraire depuis pas mal d'années, donc les salons du funéraire, je les connais. Alors la différence, elle est a priori comme ça un petit peu subtile. Parce que les stands se ressemblent, parce que beaucoup de gens qui exposent dans le funéraire traditionnel, dans les salons, les réseaux traditionnels réservés aux professionnels, sont là aussi, avec pratiquement les mêmes produits. Mais là, ce qui est intéressant, effectivement, c'est une ouverture vers le public. C'est-à-dire qu'on cherche à engager un peu une relation, une conversation avec les gens qui, de toute façon, ont toujours très peur de la mort. Il y a des gens qui ne supportent pas les limites d'entendre le mot cimetière. Et quand je raconte que moi je suis au 7e ciel, si je puis dire, par avance, même bien que je ne crois pas au 7e ciel, quand je suis dans un cimetière et que je vais passer toute ma journée à faire des découvertes et à filmer, à photographier, ils me prennent un peu pour un dingue. Comment peut-on parler de la mort? Et bien là, je crois qu'on commence à en parler un petit peu plus. Et pas, on ne voit pas seulement le côté purement financier de la chose, parce que c'est une entreprise financière comme une autre, les pompes funèbres. Mais on commence à réfléchir sur, par exemple, le devenir du cimetière, la façon dont le cimetière se laïcise, la symbolique chrétienne tend à, non pas disparaître encore, pour l'instant, elle est encore très présente, mais à diminuer, et où on voit que l'humain prend la place un peu du religieux. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pratiqué la méthode Coué en se disant il y a un paradis, il faut absolument qu'il y ait un paradis, et sinon c'est épouvantable s'il n'y en a pas. Et puis Jésus, Dieu, nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, etc. Bon. Et le paradis n'est-il pas sur terre? Alors, oui. Je pense, et certains l'ont dit, il y a une dame célèbre qui a dit « Je préfère faire mon paradis sur la terre parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après ». Pour moi, j'ai une conviction, c'est que je marche vers le néant. Alors justement, dernière question, oui. Pour être dans le ton, oui. Quelle dernière demeure souhaiteriez-vous? Alors, ma dernière demeure, je suis précisément en train donc de la préparer. Ça va être en quelque sorte le dernier maillon, l'aboutissement, pour ne pas dire le
plus pompeusement, si je peux dire, le couronnement de toute ma, de toute mon œuvre, si vous voulez, de toute ma carrière de promeneur nécropolitain. C'est un monument qui va se trouver au Père-Lachaise, qui va résumer en quelque sorte toute mon activité. Un nanti, alors, grand luxe. Oui, absolument, oui, oui, mais j'ai des réserves, justement. Oui. J'économise comme ça pour avoir un beau monument qui sera très vraisemblablement posé sur un livre, puisque j'ai fait pas mal de bouquins, qui sera un gros appareil photographique. Parce que vous restez très classique. Oui, mais c'est pas évident, hein. Un appareil photographique dans le cimetière, c'est quand même relativement rare. J'en ai vu très très peu. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est hallucinant, c'est génial. Voilà. Et elle fait tout avec, tu vois, des pattes de poulet, des cygnes. C'est magnifique. Ah ben moi, j'ai suivi les exactement. Catherine, c'est toi. Vous c'est moi. À gauche. Vous êtes de gauche alors. Moi je suis à. Oui. Vous êtes de gauche. Bah voilà. Ouais, oh, mais ça fait un peu bobo ça. Bon, ouais. Non, non, me dites pas que je suis bobo. Moi. Je suis pas d'accord avec ça. Elle fait pas la vague bleue. Non. Et Boissine, à droite. Vous êtes à droite alors. Pas vraiment non plus. Bon, c'est original comme prénom. Oui. J'ai jamais entendu ce prénom là. Bah oui, c'est. On l'a fait pour vous. Oui, oui, c'est fabriqué en fait. Bon, expliquez-moi, vous êtes des grandes artistes dans le macabre. Mais non, on n'est pas dans le macabre. Bon, alors expliquez-moi tout, que je comprenne. On est dans la vie. Oui. Bon. On est dans la vie parce que justement, on sert de nos ancêtres pour continuer à vivre. Bon, enfin là, il y a une scène, ma grand-mère est sortie de sa tombe. Ma grand-mère est sortie de sa tombe, ou le sacrifice des femmes, ça s'appelle exactement. Et justement, c'est sortir ses ancêtres de leur tombe pour nous aider à vivre. Il y a plein d'Africains qui dorment sur le crâne de leur ancêtre. Moi, j'ai fait un peu pareil. L'histoire de ma grand-mère, elle m'aide à vivre, moi. Et tous nos ancêtres nous aident à vivre. Et moi, je parle de la vie, je ne parle pas du tout de la mort. Au contraire, je pense que tout notre passé et tout l'acquis qui nous dépasse, nous aide à exister, en tout cas. Vous souffrez dans la vie? Bon, non. Pourquoi? Non, je ne sais pas.
Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde, mais c'est ce que j'y pensais. Bon. Ouais, mais enfin, on est tous. Ça fait longtemps que vous commettez des œuvres comme ça. Vous commettez. Depuis toujours, déjà, moi, quand j'étais petit, je faisais fumer les crapauds pour qu'ils explosent. Bon. Bastine, alors. Moi, je faisais pas fumer les crapauds. Je réponds. Faut pas poser des questions comme ça. Dites-moi, voici. Répondez sérieusement, voici. Oui, attends, j'attends la question. Alors, oui, alors il y a des rats desséchés, ah des non, oiseaux. Ah, c'est pas moi les rats desséchés. Oui, enfin, il y a des eaux là. Ah, il y a des eaux, oui, il y a des eaux, oui. Bon. Oui, les rats, on n'a pas parlé des rats desséchés. Non, mais elle parle de ses eaux. Bah, si, il y a des oiseaux là, des squelettes d'oiseaux, il y a. Oui, il y a des squelettes. En fait, il y a des squelettes, parce que les squelettes, c'est ce qui soutient et supporte tout. Ouais. Voilà, donc. On part du squelette. Oui. Et puis. Alors pourquoi ce mélange de matières ? En fait, je pars de matériaux comme la boue, oui. Comme les squelettes. C'est des matériaux de la vie, quoi. C'est des matériaux anciens et qui sont éternels en même temps. Et ça vous nous rappelle qu'on n'est pas. Vous n'êtes pas dépressive ? Pas toujours, mais ça arrive, comme à tout le monde, évidemment. Hein ? Voilà. Après, qu'est-ce que... Non, je compose avec mes humeurs, et puis... Alors, signification de vos œuvres. Je ne sais pas s'il y a une signification, je la sors de mes tripes, mais... signification. Alors le message, prenez-moi un exemple, montrez-moi quelque chose. Voilà. Agissez, Boisfine. Agissez. Voilà. Lequel ? Celui-là ? Ce petit être-là, charmant. Alors ça, c'est un orang. O-R-A-N-T. Ouais. Voilà. Il tend ses bras. Et il est tout en boue. Il a le regard voilé. Et puis, il attend. Il attend quoi ? Bah, je sais pas s'il le sait lui-même ce qu'il attend. D'accord. Bon. Et vous, est-ce que c'est pas très clair. Que vous attendez ? Au mur, dites-moi. Au mur. Laquelle ? Ce que vous voulez. Ça veut dire des poupées vaudou. Non ? Ce sont des poupées vaudou ? Non, bah par exemple celle-là. Ça. C'est quoi la matière ? Alors, celle-là, elle a un revêtement en épluchure de pommes de terre. Ah oui, il me semblait bien que c'était de l'organique quand même. Hein. Oui, c'est toujours de l'organique. Et... C'est une odeur ? Parfois. Ouais. Celle-là, elle n'a pas d'odeur, mais il y en a qui ont des odeurs. Là, les petits clous dans la tête et tout, bon, ça fait quand même très poupée vaudou, non ? Non ? Je sais pas, après ça dépend ce que... Là alors, c'est un morceau de sandale. Avec, je vois qu'il y a un bouton. Il y a un bouton, dans un oeil, une ouais. Perle, il y a des plumes. Vous l'appelez comment ? Il y a de la farine, ça c'est boudou. Boudou, d'accord. Voilà, il est gentil. À vous ? À moi ! Ah oui, de commenter. Oui. Moi je peux commenter parce qu'en fait toutes les boîtes elles ont des prénoms. Ouais. Alors parce... Lola. Lola, c'est la dernière chamane de Patagonie. Et Lola, elle avait un super truc. C'était de dire qu'elle, elle était née d'un temps où la mort n'existait pas. Ça fait réfléchir grave. Bon. Et en fait, non, mais moi, mon boulot, c'est aussi vachement tiré sur la violence envers les femmes. C'est toute une réflexion là-dessus. Et toutes les boîtes ont des prénoms. J'avais peur, vous allez me dire, très tiré par les cheveux. Non, je pense pas que ce soit tiré par les cheveux. Expliquez-moi l'œuvre magistrale. L'œuvre magistrale, c'est ma grand-mère est sortie de sa tombe ouais. Ou le sacrifice des femmes. C'est une installation qui parle de la violence envers les femmes. C'est pour ça que toutes les boîtes ont des prénoms. D'accord. Et chaque prénom renvoie à une histoire. Mais qui fait ces violences ? On s'en fout, la violence c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on a dans les tripes, c'est ce qu'on a à l'intérieur et c'est ce qui fait mal. Donc, pas une signification féministe quand même. Peu importe d'où vient la violence, ouais. C'est la violence, on la ressent. Moi je bosse sur l'émotion, sur la difficulté de vivre. Je bosse sur les femmes parce que je suis une femme. Je dis pas que les mecs ne souffrent pas. C'est sexiste, hein.
Non, ça c'est vous qui le dites. Bon. C'est absolument pas sexiste. Bon. Alors, expliquez-moi, parce que là, j'ai pas bien compris encore. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Toute l'histoire. Toute l'histoire de ma grand-mère ? Ouais. Ben, c'est pas dur. C'est en fait pour pouvoir parler de la violence envers les femmes. Moi, je suis partie de ma propre histoire pour venir à une histoire beaucoup plus globale des femmes. Mais c'est si on déterre pas ses morts, on vit pas. Grande philosophie. Enfin, c'est là, oui, c'est au figuré, on est bien d'accord. Bah oui. Merci. Quelle question. Bon alors, pourquoi tout doit disparaître en fait? Et on n'est pas là pour vendre. D'accord. Bon, ça fait un peu solde à Barbès, non? Eh ben pourquoi pas? Ah bon? On solde l'art alors? On solde pas l'art, on solde la mort. Ah, bien vu.